Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Et maintenant, on va où ? Et maintenant, on va où ? C'est le titre d'un film de Nadine Labaki. C'est chez elle, au Liban, que nous nous rendrons dans quelques instants, guidée par la voix des femmes de son pays. Une force, une solidarité qu'elle a eu le talent de mettre en avant. Des femmes qui aiment des femmes, des hommes qui s'épanouissent habillés en femmes. À Naples, la fluidité de genre existe depuis des siècles. Castra, féminielli ou trans, l'héritage va être un hymne à la tolérance. Quelques branches d'olivier pour alimenter le four à pain et voilà notre recette du jour. C'est en effet un pain traditionnel crétois, le paximadi, que nous apprendrons à fabriquer. Moi, je me souviens de ma grand-mère et des autres femmes qui prenaient la pâte dans le bac pour en faire un masque de beauté. Et ça leur faisait une très belle peau. Avec de la tomate, du fromage et un généreux filet d'huile d'olive, il ne faut parfois pas grand-chose pour réjouir nos papilles. Enfin, dans le désert de l'Arizona, nous reviendrons sur une expérience audacieuse. Vous voyez cette construction ? Eh bien, des scientifiques ont tenté d'y reproduire les conditions de la vie sur Terre. Et ça ne s'est franchement pas bien passé. Et tout de suite, c'est la devinette. Savez-vous pourquoi les premiers soldats alliés à être entrés dans Paris en août 44 ont été sciemment oubliés des livres d'histoire ? Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. On se souvient tous du discours de De Gaulle à l'Hôtel de Ville cette année-là. Mais pour que le général puisse arriver jusqu'au centre de la capitale, une unité d'élite lui a ouvert la voie. Des soldats qui, étonnamment, ont été occultés des livres d'histoire pendant 60 ans. Je vous demande donc pourquoi. Pour l'instant, c'est une odeur de caramel qui nous attire à Beyrouth. Le caramel, l'un des nombreux secrets de beauté des femmes libanaises. Des secrets dévoilés en toute intimité par la réalisatrice Nadine Labaki, notre inspiration du jour. Il y a des villes hommes et des villes femmes. Beyrouth est une ville femme, vivante et qui se bat. Une femme qui, quoique défigurée par 15 ans de guerre civile, a su rester digne et debout. Elle apparaît en ébullition sous les traits de Nadine Labaki et de son cinéma engagé. Réalisatrice et actrice, elle est la seconde femme du monde arabe à avoir été en lice pour la Palme d'Or. De Caramel à Et maintenant on va où, en passant par Capharnaüm, prix du jury à Cannes en 2017, son cinéma touche à l'universel. Il puise son intensité dans ce petit bout de Moyen-Orient de près de 6 millions d'habitants, le Liban, un pays tiraillé entre le deuil et la soif de vivre, dont chacun de ses films fait l'implacable portrait. Nadine Labaki vient de ce pays, perpétuellement au bord du chaos, où la guerre l'a contraint à vivre une enfance dans les abris. C'est dans le quartier d'Ashrafieh qu'elle découvre les charmes de la capitale libanaise, dans sa propension à réunir les contraires, la symphonie de peuple et sa vitalité. Dans ses ruelles colorées, elle tourne son premier long-métrage, Caramel, qui raconte le vieux Beyrouth des années 2000. Il nous plonge dans le microcosme sensuel et populaire d'un institut de beauté, là où travaillent cinq femmes, cinq caractères flamboyants. Je regardais les femmes autour de moi, ma mère, mes tantes, mes cousines, des voisines. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de Caramel, quoi. L'histoire de ces femmes de plusieurs générations, de plusieurs milieux sociaux, de plusieurs expériences dans la vie qui se rencontrent dans cet endroit et qui s'échangent leur vie, leurs problèmes, leurs conflits. Ces héroïnes parlent d'hommes, de sexe, de mariage et en toile de fond, de liberté. Le titre renvoie à la pâte d'épilation faite à la manière orientale, un mélange d'eau et de sucre que l'on fait bouillir jusqu'à ce qu'il devienne du caramel. Des souvenirs au goût sucré-salé qui ont parfumé la vie de Nadine Labaki. Les enfants mangeaient et les femmes s'épilaient.
Et donc, et c'était tout un rituel, avec toutes les histoires qui se racontent, les secrets, les trucs. Parce que bon, c'est un endroit qui est interdit aux hommes, parce que, évidemment, la porte est fermée. Et elle se livre, elle se raconte des choses, elle... Et ça, c'est très inspiré de ces séances que j'ai vécues. Il y a des choses dont on ne parle pas, que ça soit la puberté, puis les règles, puis la grossesse, l'accouchement, la ménopause. Je voulais toucher à tout ça et comprendre un peu toutes ces étapes-là. Et donc, j'ai choisi de parler de femmes qui, chacune, avaient une situation un peu proche de ça. Comme avec le personnage de Layal, incarné par Nadine Labaki. Une jolie célibataire dont les parents attendent avec impatience le mariage et qui s'entiche d'un homme marié. Derrière l'apparente légèreté de Caramel, Nadine Labaki s'attaque à tous les tabous de la condition féminine, dénonçant l'hypocrisie d'un système traditionnel oriental, la pression du mariage, la virginité imposée et même l'homosexualité féminine. On a l'impression d'être... même coupable de naître fille et donc grandir avec cette espèce de culpabilité tout le temps d'être une femme, de devoir se sacrifier. On vit avec ce sentiment de sacrifice, on grandit avec ça, c'est dans notre éducation. Une femme doit se donner, doit être pour les autres, parfaite, pour ses enfants, pour son mari. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail là-dessus. Dans son institut de beauté, Nadine Labaki reconstruit un monde à elle, où les femmes libanaises se sentent à l'abri du jugement. Si au départ, le film n'a pas vocation à porter un message féministe, il ouvre pourtant la voie à une démarche profondément militante de la réalisatrice. Dans la vallée de la Beka, à l'est du Liban, Nadine Labaki pose sa caméra dans le village isolé de Taïbé, à quelques kilomètres de la frontière syrienne. À travers son deuxième film, Et maintenant on va où, elle dénonce le danger permanent qui plane au Liban. Un pays où 18 communautés confessionnelles étroitement imbriquées forment cette mosaïque religieuse unique et fragile au Proche-Orient. La réalisatrice choisit le décor naturel de ce village rural pour camper une fable tragicomique truculente où cohabitent tant bien que mal chrétiens et musulmans. Ici, on voit très bien que l'église et la mosquée se côtoient. Pendant les fêtes, nos frères chiites sont avec nous à l'église et nous avec eux à la mosquée. Mes voisins étaient chiites. Mon père s'appelait Naïef. Et le fils du voisin s'appelait aussi Naïef. Quand quelqu'un appelait Naïef, c'est les deux qui répondaient, alors que l'un est catholique et l'autre musulman chiite. Nous vivions ensemble, mangeions ensemble, buvions ensemble, nous étions ensemble pour les bons comme pour les mauvais moments. Mais la violence en provenance de l'extérieur, relayée par un poste de télévision, s'insinue comme dans le film de Nadine Labaki, au risque de faire éclater cette coexistence. Si un foyer avait la télé, tous les enfants du village se rassemblaient autour. Ils se mettaient aux portes, aux fenêtres, pour regarder. Et c'est quand la télévision est arrivée que les problèmes ont commencé. Dans un pays où le pire n'est jamais sûr, où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on se demande jusqu'à quand. Jusqu'à quand peut-on naviguer à vue et vivre sur le fil du rasoir? La question n'est pas seulement esquissée par Nadine Labaki. Elle est à l'origine même de son film. L'idée commençait à un moment où, évidemment, au Liban, encore une fois, comme chaque quelques années, il y a eu des altercations entre deux groupes politiques différents qui ont mené à une nouvelle guerre civile entre des gens qui, normalement, ont vécu pendant des années ensemble, ont cohabité, ont coexisté. C'est vraiment des gens qui, des fois, vivent dans un même quartier,
dont les enfants vont aux mêmes écoles. Et donc, je me suis dit, mais quelle absurdité qu'on soit autant tributaire de quelque chose qui n'a rien à voir, au final, avec nous, quoi, avec ce qu'on vit. Si mon fils, à ce moment-là, était né, qu'est-ce que j'aurais fait? Vraiment, c'est parti de là. Qu'est-ce que moi, en tant que mère, j'aurais fait pour l'arrêter? Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de ces femmes dans un village qui vont empêcher leurs hommes de se battre et qui vont tout faire au final et qui vont des fois aller dans des solutions complètement rocambolesques et aussi pour ridiculiser un peu cette manière souvent facile de se tourner vers les armes. Dans le film, un cortège funèbre s'ébranle. Les héroïnes, qui ont embrassé la religion de l'autre camp pour brouiller les cartes, arrivent au cimetière avec hommes et enfants pour enterrer une victime. Ce village perdu devient le théâtre de ce drame. Nadine Labaki y met en scène des acteurs non professionnels, comme Ali Mohamed Taraf, habitant de Taïbé. J'ai participé à la scène de l'église, celle de la mosquée. J'ai aussi fait partie de celle quand on arrive au milieu du cimetière, où d'un côté sont enterrés les chrétiens et de l'autre, les musulmans. On hésite alors. On ne sait plus de quel côté aller. Et le film se termine comme il a commencé, avec le titre, lorsque le groupe se demande « Et maintenant ?» On va où? C'est le cas partout dans le pays. Tous les Libanais se posent aujourd'hui la même question. Et maintenant, on va où? Cette interrogation permanente au Liban renvoie à une réalité incontestable que l'on retrouve à la périphérie nord de la capitale libanaise. Bourj Arnoud est un quartier populaire de Beyrouth que Nadine Labaki choisit pour tourner Capharnaüm, son troisième long métrage. Dans ces rues grouillantes se déroule le combat de Zayn, 12 ans, un enfant issu d'une famille de réfugiés, très en colère contre ses parents et la société. Ce que l'histoire a de particulier, c'est que Zayn va poursuivre ses parents en justice pour l'avoir mis au monde. C'est un peu la partie fiction du film. C'est quelque chose qu'on ne verrait pas vraiment en réalité, un enfant qui poursuit ses parents en justice pour une raison pareille. Mais tous les événements qui ont mené Zayn à le faire sont tout à fait plausibles. Dans le film, comme dans la vie, Zayn, le personnage principal, n'a pas de papier et grandit dans un monde qui le prive de tous ses droits. Il est supposé être en train de vivre son enfance, mais on le voit mener une existence très dure. Au lieu d'être en train de jouer avec les autres enfants, il mène une vie de souffrance. Nadine Labaki s'imprègne depuis les marges, qu'elle appréhende dans un long travail de recherche. J'ai été partout, vraiment partout. J'ai vécu avec ces enfants, avec ces familles, avec ces gens, pour comprendre. Et tout ce qui est écrit dans le scénario est vraiment basé sur des choses qu'on a vues, qu'on a expérimentées, qu'on a entendues. Il y a très peu de place à l'imagination. La vie est tellement plus intéressante que n'importe quoi que j'aurais pu inventer ou écrire. Son film, à la lisière du documentaire, décrit la réalité crue, dérangeante et souvent occultée, donnant une voix à ces êtres oubliés, les travailleurs immigrés ou les enfants maltraités. C'était l'envie de comprendre ce petit garçon, ces petits enfants que je vois dans la rue, qui travaillent ou qui mendient ou qui vendent des fleurs. C'est quoi les coulisses? Quelles sont les coulisses de leur vie?
Ils se pensent invisibles. Ils sont invisibles aux yeux de la société, puisque les gens les ignorent. Ils sont invisibles vis-à-vis du système, puisqu'ils n'existent pas. Donc, il y a un rapport avec leur existence qui est très... Et en même temps, une colère. Pourquoi vous me mettez au monde si vous n'allez pas vous occuper de moi? Pourquoi je suis là? Son cinéma se transforme en un cri. Celui d'une femme révoltée qui rêve d'un autre monde. Un monde que le cinéma lui permet d'inventer. Je crois profondément au pouvoir du cinéma. Parce que l'art, je pense, humanise. Et c'est là où on peut vraiment changer les choses. En créant des personnages qui ont une histoire, qui ont une vie, qui ont une situation, qui ont des émotions. Je sens qu'on a une énorme responsabilité, un rôle à jouer dans le monde de demain. Les anémones, on en trouve beaucoup au Liban. Cette fleur serait née dans le sang et les larmes de deux amants. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. C'est beau, une anémone, la fille du vent, comme elle est surnommée. De la famille des renonculacées, c'est une fleur sauvage qui s'épanouit dans les zones tempérées, notamment sur les bords de la Méditerranée. Au Liban, on la retrouve dans la vallée de Nahr Ibrahim. Des pétales harmonieux et légers, blancs, roses, violets et bleus, son cœur, en revanche, est toujours noir. Car l'anémone, c'est la fleur de deux amants maudits, Vénus et Adonis. Leur histoire a inspiré de nombreux artistes. Shakespeare en a fait un long poème, Titien une toile, tout comme Rubens. Si on en croit la légende, c'est là, dans la grotte d'Afka, que les amoureux se retrouvent. Un torrent puissant, une grotte aux chaudes parois, c'est un paysage à la hauteur de leur passion. Et tous les deux méritent bien ce havre de paix. Adonis n'a pas eu une vie facile, il est le fils de sa sœur. Oui, l'inceste dans la mythologie, c'est fréquent. Vénus, elle, déesse de l'amour, ça veut dire que tous les dieux et demi-dieux lui tournent autour et c'est épuisant tous ces dragueurs lourds qu'il faut éconduire. Quand elle découvre Adonis, il n'est encore qu'un bébé. Et comme elle n'a pas que ça à faire, elle le confie à Prospérine, sa copine, déesse des enfers. Quand elle le revoit quelques années plus tard, « Waouh !» se dit Vénus, « il est devenu un sacré beau gosse !» Et voilà la déesse de l'amour, amoureuse. Le problème, c'est que Prospérine, sa copine, déesse des enfers, en croque aussi pour ce bel Adonis. Et comme on ne sait pas quoi faire, on va voir Zeus, le roi des dieux. Il tranche. Adonis passera 4 mois avec l'une, puis 4 mois avec l'autre, et 4 mois pour se reposer, un amant en garde alternée, en quelque sorte. Quand Adonis et Vénus se retrouvent, ils font ce que font la plupart des amants dans la grotte dont nous avons déjà parlé. Le reste du temps, ils chassent. Et Adonis, gorgé de testostérone juvénile, veut prouver qu'il est fort. « Sois prudent, lui dit Vénus, les sangliers, c'est quand même vachement dangereux !» Elle a bien raison, car c'est un sanglier qui embroche Adonis. Envoyé peut-être par Mars, un de ces dragueurs lourds et conduits. C'est le sang d'Adonis mêlé aux larmes de Vénus qui aurait donné naissance à cette fleur qu'on appelle aujourd'hui anémone. Et puisqu'on parle de mythologie, est-ce que vous connaissez l'origine du mot hermaphrodite ? En fait, c'est la contraction d'Hermès et d'Aphrodite, à la fois homme et femme. Eh bien, il y a une ville en Italie où le troisième sexe jouit sans entrave depuis longtemps, c'est Naples, et c'est l'héritage. Naples est un royaume de métamorphose. Depuis l'Antiquité, en son sein, les traditions et les rites, des plus sages aux plus excentriques, façonnent les mentalités. À Naples, tout ce qui est un peu magique est accepté. Alors, dans cette ville pétrie d'influences grecques et orientales, la transidentité prend des aspects divins. Des croyances ancestrales aux revendications LGBTQIA+ actuelles, la mythologie queer et ses histoires interlopes ont façonné Naples et sa culture artistique.
Au fil des siècles, la ville s'est érigée en petit bastion baroque dans une Italie pieuse et catholique. Une célébration à l'ambivalence et au mélange des genres. Fondée par les Grecs près de 6 siècles avant Jésus-Christ, Naples et ses environs sont imprégnés d'une culture hellénique ouverte aux questions de genre et de sexualité. Lorsqu'elle devient une colonie romaine de premier ordre, les mœurs de la société s'imbibent d'érotisme et de sensualité. À Pompéi, les fresques, les peintures et les statues rappellent cette dimension essentielle de la vie romaine. Dans la vie quotidienne, la culture grecque est omniprésente. On la retrouve dans l'espace public, sous forme de sanctuaires, de temples. Les divinités sont associées aux Grecs et sont présentes dans les maisons privées. Dans les cours de ces maisons, sur les murs, une divinité en particulier attire les regards. Lors de banquets, on peut observer par exemple la statue d'Hermaphrodite. Elle est aussi destinée à faire naître ou à stimuler des discussions durant le repas, comme le fait que ce n'est ni masculin ni féminin, mais une sorte de juste milieu. Fils des divinités grecques Aphrodite et Hermès, Hermaphrodite hérite à sa naissance de la beauté de ses parents. Un jour, alors qu'il se baigne dans un lac, une naïade l'enlace de force et demande aux dieux d'unir leurs deux corps en un seul. Dans cette source, il est transformé par une nymphe en un semi-mâle, moitié homme, moitié femme. Mais il demeure lui-même, donc une identité masculine. Dans certaines images, nous voyons le contraire. Nous voyons une silhouette qui, selon toutes les conventions de l'art antique, est totalement féminine. Cette ambiguïté entre les deux sexes, appelée aussi fluidité, traverse les siècles. Mais en 1503, lorsque Naples passe sous le joug espagnol, la notion d'honneur viril s'impose. Les mœurs changent, pourtant, une pratique émerge comme un besoin d'exposer aux yeux de tous l'ambiguïté sexuelle ancestrale de la région. Au XVIIe siècle, Naples, avec sa cour et ses fêtes fastueuses, est la deuxième ville d'Europe après Paris. Sous l'influence aristocrate espagnole, la ville se pare de grands palais, comme le Palazzo Zévalos, où résonnent les airs du Bel Canto. Avec la contre-réforme, la papauté interdit aux femmes de chanter, mais autorise de nouvelles voix d'anges, des voix blanches, les castrats. Ça, c'est ma voix masculine. Et puis à force d'étudier, de travailler, on obtient une voix de contre-ténor. Aujourd'hui, on reprend la technique vocale qu'utilisaient les castrats. Les castrats étaient de vraies machines à chanter grâce à leur physionomie. Cette pratique était très répandue à Naples. Dehors, devant les commerces, on trouvait des panneaux qui stipulaient « Ici se pratique la castration ». Au prix d'une mutilation abominable, Naples devient un vivier essentiel de formation de castrats. On recense à l'époque jusqu'à 4000 cas d'enfants castrés par an. Le personnage de l'eunuque, du castrat, est très ancré et très fréquent au sein des cours. Dans les opéras de cette période, opéra bouffe ou classique, les castrats sont souvent employés pour les rôles féminins.
C'était quelque chose de très important parce que le castrat acquiert une image quasi mythologique. Les castrats sont considérés comme des dieux. Ils aimaient la flamboyance. Ils aimaient les vêtements saugrenus, les plumes, les ornements en or. Ils étaient donc considérés comme des êtres asexués et intemporels, sans âge et sans sexe, qui accédaient parfois à une notoriété immense. La voix du castrat est liée à ses rôles, à cette idée de fluidité de genre. Le public raffole de ces interprètes considérés du troisième sexe. Les castrats célèbres, comme Farinelli, éveillent les fantasmes les plus fous et la fluidité devient une performance publique institutionnalisée. Pourtant, on les tournait souvent en dérision. Ils étaient l'objet de railleries, de préjudices, que ce soit au niveau sexuel ou physique. Et hélas, ce qui se passait hier n'est parfois pas si différent de ce qu'il se passe aujourd'hui. Pasquale Auricchio est un contre-ténor, originaire d'une ville voisine. Il aime entretenir cet héritage d'ambiguïté. Ça me plaît de jouer un peu, que ce soit avec les vêtements, avec mon aspect ou ma voix. Tout ce mélange de genres. Naples m'a permis de comprendre ça, de m'emparer de cette fluidité. À Naples, la figure du castrat et du fluide est toujours présente. Sur des milliers de garçons castrés, de rares élus parviennent à faire carrière. Ceux qui ne connaissent pas la gloire atterrissent souvent sur les trottoirs. La prostitution est l'un des moyens de survie et les codes de la féminité sont alors pratiqués à outrance pour attirer les clients. Peu à peu, le rôle du travesti prostitué s'ancre dans les quartiers populaires de la ville. Dans les ruelles de Naples, les hommes-femmes deviennent des femminelli. Les femminelli tiennent une place centrale dans la vie quotidienne. Elles sont des figures majeures des quartiers populaires napolitains. À quelques pas du port, les quartiers espagnols sont un îlot où les femminelli occupent une place bien plus signifiante que leur seule sexualité. Encore aujourd'hui, en déambulant dans les ruelles, on peut croiser Esmeralda au rez-de-chaussée, Francesca au troisième étage ou la Tarantina au coin de la rue. Les quartiers espagnols sont un entrelacement de ce que l'on appelle les vicoli, les ruelles. Et c'est ici que se sont développés les bassi, c'est-à-dire des habitats donnant directement sur la rue, dans lesquels la vie populaire naît et se développe. Depuis ces rez-de-chaussée de fortune, la ruelle se transforme en théâtre de vie du popolino, le petit peuple. Un salon de discussion où tout le monde s'entraide. La figura della femminella. Le personnage du femminiello incarne bien ce mode de vie. Les femminielli sont des personnes qui sont utiles auprès des femmes du quartier, dans le sens où elles vont dans les maisons, elles aident aux tâches domestiques pénibles, elles s'occupent des enfants. Les femminielli sont aussi perçus comme des personnages sacrés, des figures de l'entre-deux, où l'identité et le genre ne suivent, comment dire, ni le féminin, ni le masculin. La Tarantina est la doyenne des femminielli de Naples. Chassée de son village à l'âge de 12 ans, elle a atterri dans cette ruelle napolitaine qu'elle n'a plus jamais quittée. Questa via qua, vedi?
Cette petite rue, tu vois, malgré la misère, c'était comme une fable. Elle t'apportait la chaleur, le bon air. On entendait les voix qui résonnaient, celles qui vendaient la ricotta. Ça se voyait que j'étais une personne efféminée. À un moment, une dame me regarde et elle m'interpelle. « Hé, féminielle !» Je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi, à l'époque féminielle. Je pense que Naples est la ville qui accueille, qui donne de la chaleur à tout le monde. Les Napolitains te font te sentir en famille, même si eux-mêmes n'ont rien. Les gens mangent à table avec leurs portes ouvertes. Toi, tu passes et ils te disent « Hé, la transe, viens manger avec nous !» Il n'y a rien à dire. Naples est vraiment remplie d'humanité. Au début des années 80, la montée de la criminalité, les ravages du sida et de la drogue mettent à l'épreuve la légèreté joyeuse revendiquée par les Femminelli. Mais une nouvelle voie a été ouverte. Comme un symbole de résistance culturelle, elles inspirent les personnes transgenres napolitaines de nos jours. Pour rencontrer Ambrosia, il faut traîner dans le quartier de la Piazza Bellini, repère de la jeunesse LGBTQ+ napolitaine. Naples est sans conteste un grand théâtre. Je me rends compte que je porte en moi, avec fierté même, le poids d'un héritage. La fluidité du genre a toujours été présente ici. Il y a toujours eu une grande fluidité. Avant, on parlait de Femminelli. Maintenant, on parle d'autre chose. Et demain, ça sera encore un nouveau terme, on ne sait pas. On me demande souvent comment je me définis. Mais je n'ai pas de définition particulière. Je suis la drag queen. Je suis transgenre. Je suis une femme trans. Je suis un homosexuel. Selon moi, la fluidité, c'est la capacité de lâcher prise, que les mots vous glissent dessus, et de ne pas s'agripper à une signification. Ad un significato. Dans ce pays qui est encore très matraqué par ses traditions machistes, il y a cette force du sens, cette rage du changement. Et mes performances sont porteuses de messages d'amour. Je les prends pour moi, pour mes transformations, celles que j'ai et que j'aurai, qui sait. Léna et Katerina nous attendent à présent en Crète. Ce sont elles qui vont nous ouvrir leur cuisine aujourd'hui. Avec une recette simple et délicieuse, celle du dakos. Une parfaite illustration, vous allez voir, du régime crétois, sain et bon à la fois. C'est papille. Bienvenue. On est en train de ramasser des branches d'olivier pour allumer le four et préparer le pain traditionnel crétois avec mon amie. Katerina, tout va bien? Oui, bien. En Crète, la plupart des maisons avaient un four à pain. Soit le four était à l'intérieur de la maison, soit à l'extérieur. Pour faire le pain, on a besoin de ces ingrédients. Le premier, c'est loukounénos, du levain à base de farine de pois chiche avec de l'eau qu'on a laissé gonfler. De la farine blanche, de l'eau, de l'huile d'olive. Et ici, on a un mélange de sucre, cumin, sel et poivre. On aura aussi besoin de sésame blanc et noir pour saupoudrer sur notre pain. Mets toute l'eau ici, c'est bien. L'eau doit être un peu tiède. Non, très chaude. Il faut de l'eau bouillante. Passe-moi l'okuneno, qu'on le mette dedans. C'est comme ça que l'on pétrissait dans le temps.
Et comme on pétrissait beaucoup de pain, toutes les femmes aidaient dans les anciennes maisons. Quand j'étais petite, j'accompagnais ma grand-mère au four. Elle me montrait ce qu'elle faisait et je pétrissais avec elle. Voyons voir si notre levain a gonflé pour qu'on puisse pétrir le pain. Oh, il est très beau! Génial! Parfait, ça va faire un très bon pain. Alors maintenant, on met notre mélange d'épices, puis de l'huile d'olive. Moi, je me souviens que ma grand-mère nous faisait rentrer dans le four pour en sortir les paximadi. C'est le nom du pain. Et toi, Katerina, tu as quoi comme souvenir? J'ai le même souvenir. Et je sortais les paximadi à la pelle. J'adorais ça. Moi, je me souviens de ma grand-mère et des autres femmes qui prenaient la pâte dans le bac pour en faire un masque de beauté. Et ça leur faisait une très belle peau. Maintenant, je forme le pain. Le pain est cuit, je le coupe en morceaux. On le laisse refroidir. La dernière étape, c'est de le remettre au four pour qu'il devienne dur comme une biscotte. Ah, il est parfait, parfait. Il est devenu très beau, il a une très belle couleur. J'imbibe le paximadi d'huile d'olive. On étale de la tomate dessus et pour terminer, je vais mettre un fromage local. Mais tu peux utiliser de la feta. Le tout assemblé nous donne un dacos crétois. Allez, allez, venez. C'est traditionnel, délicieux et rassasiant. Parce qu'ici, en Crète, on aime ce qui est gros et abondant. C'est notre culture. Le dacos, ce n'est pas pour le régime. Santé! Santé! Selon la Bible, Dieu a conçu le monde en 6 jours. Mais quand les hommes tentent de se prendre pour Dieu, ça se passe un peu moins bien. La preuve tout de suite en Arizona, avec l'incontournable. Depuis la ville de Tucson, dans le sud de l'Arizona, il faut s'enfoncer un peu plus dans les terres pour découvrir le désert de Sonora et ses millions de cactus. Incontournable désert de Sonora qui cache une toute autre histoire. Celle d'une expérience futuriste, entachée d'irrégularités et de scandales. En 1991, le monde entier a les yeux rivés sur un petit bout de désert. Dans le sud de l'Arizona, un monstre sort de terre. When it's complete this autumn, 8 scientists, bionauts, will be sealed inside a model of the Earth's environment for a 2-year look at how our planet works. Une créature digne des rêves les plus fous d'un auteur de science-fiction. It's an extraordinary scientific achievement, and as the people here say, you really know nothing about your planet until you try to build one. Directeur adjoint de Biosphère 2, John Adams y travaille depuis plus de 25 ans. Il nous raconte l'histoire de ce site un peu fou, construit pour durer 100 ans et pour que des hommes puissent y vivre en autarcie. Biosphère 2 a été nommée ainsi d'après la Terre, qui est la première biosphère. C'est le plus grand environnement fermé et contrôlé au monde. L'objectif initial de Biosphère 2 était avant tout de comprendre le système terrestre et de mettre à profit ses connaissances pour une potentielle colonisation spatiale. Deux hommes sont à l'origine de ce projet pharaonique, construit durant 4 ans, entre 1987 et 1991. Ed Bass, un philanthrope assez riche pour mettre 150 millions de dollars sur la table, et John Allen, un ingénieur persuadé que la Terre est condamnée et qu'il est temps de réfléchir à un plan B. L'intérêt de conserver un environnement hermétiquement clos est double. D'abord, cela permettait de contrôler et reproduire des environnements similaires à ceux que nous avons sur Terre. Ensuite, cela permettait d'étudier ce que pourrait impliquer de déplacer ces milieux biologiques dans l'espace, ce qui pourrait éventuellement être utile en vue d'une colonie sur la Lune ou sur Mars. Océan, savane, mangrove ou désert, plusieurs écosystèmes terrestres sont fidèlement répliqués à l'intérieur de la structure.
Voici la forêt tropicale de Biosphère 2. À l'origine, elle a été calquée sur une forêt tropicale d'Amérique du Sud, proche du bassin amazonien. Il y fait vraiment chaud, l'air est poisseux et l'humidité est presque toujours supérieure à 90%, à moins qu'une expérience en cours ne modifie ce paramètre. Mais l'ambition des fondateurs dépasse la simple étude de la nature. Il s'agit de mener, sous l'œil des caméras du monde entier, la plus grande expérience scientifique jamais conduite en y enfermant un groupe de 8 volontaires. Biosphère 2 a été conçu pour voir si 8 personnes pouvaient vivre en remplissant tous leurs besoins en nourriture et en oxygène uniquement grâce aux écosystèmes qui se trouvent à l'intérieur. Ainsi, en septembre 1991, les portes du site ont été scellées. 8 personnes sont entrées, 4 hommes et 4 femmes. Leur objectif était de rester à l'intérieur pendant 2 ans. Ils se sont lancés dans une aventure qui n'avait jamais été tentée auparavant. Nul ne pouvait savoir ce qui allait vraiment se passer. Sans le savoir, ces aspirants scientifiques viennent d'inventer la télé-réalité d'enfermement. J'ai lu que la personne qui a créé l'émission Big Brother avait lu un article sur Biosphère 2 lors d'un vol retour en Angleterre. Elle se demandait pourquoi ils n'avaient pas installé de caméra qui aurait pu documenter tout ce qui se passait. Cette pensée l'a amenée à développer le concept de Big Brother. Donc, au départ, Biosphère 2 était déjà un peu un mélange de Big Brother et de Survivor, le Koh-Lanta américain. L'enfermement doit durer 2 ans. Mais quelques jours seulement après le début de l'expérience, la biosphérienne Jane Poynter se blesse la main. Elle est obligée de sortir pour être hospitalisée. Lorsqu'elle réintègre le groupe, certains médias l'accusent d'avoir fraudé en rapportant de la nourriture. Au bout de 6 mois, le groupe se déchire et se scinde en 2 clans. Les tensions sont d'autant plus fortes que les 8 cobayes sont affamés. Leur ferme n'était pas suffisamment productive. Elle ne pouvait pas subvenir aux besoins caloriques complets de 8 personnes. Ils étaient donc toujours en déficit de calories. Les apports nutritionnels étaient bons, mais insuffisants. Donc ils avaient toujours faim. Les concepteurs n'avaient pas non plus prévu que les bactéries proliféreraient à ce point dans les sols, entraînant une chute drastique du taux d'oxygène dans l'air. Au bout d'environ 500 jours passés à l'intérieur, le taux d'oxygène est tombé à 14,2%. Cela produit le même effet qu'un séjour en très haute altitude. Les organisateurs ont donc été obligés de réinjecter de l'oxygène dans la biosphère. Mais ils ont essayé de le cacher. Quand ils ont finalement dû dire la vérité, cela leur a fait perdre beaucoup de crédibilité. Dès lors, la validité scientifique et les grandes ambitions originelles du projet sont sérieusement remises en cause par les médias et l'opinion. Les scandales s'enchaînent. Un journaliste révèle notamment le passé du cofondateur, John Allen. Dans les années 60, il aurait été mécène d'une communauté sectaire sous le nom de Johnny Dolphin. Les médias ont vraiment commencé à chercher la petite bête et à fouiller tous les détails de sa personnalité, toutes ces choses qui rendent quelqu'un unique. On lui reprochait son style de gestion, le fait d'être un leader très autoritaire, par exemple. Il était très exigeant envers les gens à l'intérieur de la biosphère et il voulait absolument qu'il se plie à ses volontés. Après 2 ans, jour pour jour, le 26 septembre 1993, le premier groupe quitte la biosphère. Le 6 mars 1994, une autre équipe de 7 personnes y pénètre à son tour. Une fois de plus, la mission vire au fiasco, avec notamment 2 biosphériens de la première équipe qui sabotent le projet. Beaucoup de questions commençaient à se poser sur la façon dont le site et ce qui s'y déroulait étaient gérés. Finalement, Ed Bass et son équipe ont décidé de cesser de travailler avec John Allen et ses hommes. Ils ont été obligés de quitter les lieux. Cette deuxième mission a été écourtée. Elle n'a duré que 6 mois. La société à l'origine du projet est dissoute en 1994. Le site passe de main en main. Il est à 2 doigts d'être détruit ou transformé en complexe hôtelier. Aujourd'hui, Biosphère 2 est gérée par l'Université d'Arizona. Des chercheurs du monde entier viennent ici mener leurs expériences. Ils ne sont plus habillés en astronautes et eux peuvent sortir quand ils veulent. Est-ce que vous avez trouvé pourquoi les premiers soldats à avoir libéré Paris en août 1944 ont été sciemment oubliés des livres d'histoire ? Eh bien, c'est parce qu'ils n'étaient pas français, mais espagnols.
Il faisait partie de la 9e compagnie, la Nueve, en castillan. Des soldats d'élite qui ont été les premiers à pénétrer dans la capitale. Mais pendant longtemps, la France a préféré oublier ses héros au seul motif qu'ils n'étaient pas français. Pespalte.